Salam alaikum wa malika info ñu ñëwaat tay ci suñu benen émission entretien tay ñuy dalal Libas Gadiaga mu nek biologiste nek tamit membre bu réew mi nekkon candidat élection locale yu 2009 yi donc bokkon ci Libas ñu ngi lay nuyu ma ngi lay fay Bassou di wax bismillahir rahmanir rahim di sante yalla bu baax di julli ci yarante bi di sante wayjuri di sante wa malika di remercier aussi l'équipe Malika Info ci opportunité bi ngeen may ñu mëna échanger avec vraiment la population de Malika. Libas nga nekkon candidat en 2009 ci élection locale yi nga ban rang nga terminé won élection locale 2009 on était sorti 4e. Et on nous avait sanctionné avec 4 conseillers municipaux. On était parti seul. 2009, c'est Réumi était un petit mouvement, c'était même pas encore un parti, un mouvement qu'on appelait M6. M5 monon def ci wolof par exemple moy gëna ki mouvement bo xamni mu ngi tudon M6 ñu demone ci ñun rek ak élection ñu jëlone décision dem ci élection danaka bi ñaari fan déssé ci de police yi waaw ñu nekkon ay novices mais ñu xar sun tank touba yi def li ñu wara def ba dem ci élection yi et vraiment je pense que demone nañ ci té li ñu amone quand même c'était méritant pour quelqu'un bo xamné ya nga doga ñew di dem une élection participer à une élection locale ngeen amone quatre conseils yow ci conseil yi nga bokone wala non man bokkumon ci conseil yi parce que comme ñun bi ñi dem xamone nañ ni réew mi wajalu non bopam pour mëna gagner dama leen waxone ni ñom bi ñu tanné ñu gis ni man ma nekkon le leader naturel ñu samp ma pour ma quitter la liste majoritaire xam nga nit ki aussi bu la wolo da ngay mériter li la wolo effectivement jamono bobu man nga jité liste ba paré dem té de liste proportionnelle pour les conseillers mais comme mako waxé les conseillers mom musta nek sama souci man dama japp ni dëkk bi ñun ñoko bok dañ wara xex ba bobu nak ci la décidé won ni nañu jël les autres responsables yi nga xamné bëgg nañ leen def des conseils municipaux ñu def leen ci kaw liste proportionnelle bi nga xam ni pourcentage bi nu am bu nu ko wéccoo di leen mën a jël ay nit def leen conseil municipal si ça si ñu la doon xaar élection locale 2014 yi naan da ngay nekk candidat ñu ñëw gis ne jamono jooju ñëw nekk candidat la moo waral loolu waaw xam nga diggante 2009-2014 yàlla dafa dogal 2009 bi mu jeexee rek ma tukki war a dem France doon fa def yenn formation yi pour gën a renforcer sama spécialisation diggante boobu APR commencé am doole même ay benn conseiller boo xam ne ci ñun la newoon dinaa duma bëgguma tudd non foog nga duut baaraam ñu xam ki ngay wax kan la parce que tamit émission bi foog nga wax parce que bugguñu tamit nga wax nii rek da nga naan Samba Ndiaye la wala kii nii la tudd ñu xam li may wax moom waa Malika xam na waaw non yow mais ñun ñoo xamul léegi ñiy seeta am ñoo xamuñu en tout cas ci jamono boobu ñu am conseil bu génn dem kan la dem APR ma mais kan la tuddal tur bi la kilifa la waaw mais tuddal tur bi da nga non da nga naan ñu kii moom moo génnoon suñu kii dem fee ñiy seetaan ak ñi nga xam ni ñoo doon accompagner waa réew mi ci moment boobu mais ñi xamul nak bëgg xam Libas tamit ba xanaa doo leen xañ loolu ñoom tamit ñu xam kii la loolu amul solo non non am na Libas non non Libas am na solo di kii ko kane loolu war ngeen ko jàppee kon da nga ñu war a wax kan la ñu xam kooku war kat moo war déedéet tu ko warul man duma ko tuddee war lan nga ko mën a tuddee Libas politique aussi nit ki day dem ci trajectoire ba gis amaana leneen lu ko gënal parce que politique du diine maanaam kenn ñëw fi ne aslamtu nafsi da ngay ñëw dugg ci un parti politique mais jaaduna yeen ngeen def ko conseil ba pare mu bàyyi leen fa dem ci waa APR dem ko ak ñoom est ce que loolu ngor la tamit loolu ngor la ñu mën tuddee jëkkewul ci ñun te du mujjee ci ñun mais jox ñu tour bi di baax tamit yaa ngi ndaw lu tax ñu dem ba assemblée nationale ñu instauré ni député boo xam da nga jógee ci liste bu la fal dem ci beneen liste dañuy trikki sa ndomba tànk parce que lu fi yàgg la donc comme ni ma ko waxee du ma tudd tour donc mu dem ci APR bon bi ma ñibbisee ñun fi nekkoon di liggéey ñu mel ni Momadou Lay Sène tey mu ngi ci wetu le maire Momar Talla ñu si mel ni ñeneen ñëpp nga xam ñu ngi woon ci réew mi ñu ànd bi léthargie boobu amee nag ba 2014 man leen nag ñun liggéeyuñ fi sur le échiquier politique de 2009 à 2014 lu tax ñu mën a dem di briguer parce que pour man boo demee une première fois mu nekk une expérience mu nekk expérience positive nga am ci ñoo dëkk bi jox la lu mat ñeenti conseiller waroon nga liggéey avant nga ñëw 2014 comme liggéey boobu amul woon nag pour man yàpp sax ñit ñi la nga ñëwaat taxa naan leen jox leen ma dëkk bi
lool mom mo taxone 2014 ken gisuma fenn duguma ci liste campagne wala ken anduma ken amo ken ko jappale won dama ken kuma jappale même si biñu toggé ci réew mi biñu waxtané il y avait le choix entre dem waxtan ak tala ak dem waxtan ak blaye sey parce que jamono bobu ñom ñaar ño fi newon ño xamni gis nañ ni kat peut-être amnañ potentiel mais lutax demol len ci Ablaye Sey comme ni ngeen ko defé jamono ji parce que lo di nañ ci ñom mais lutax jamono jo demol len ci Ablaye Sey xam nga moy limay lay wax comme man j'étais un peu absent bima ñué ñom amna non doxé d'ailleurs man bokkot na ñi proposé won nañ waxtan ak Ablaye Sey parce que expérience nous a montré que souvent ñin ñi relation yi ñi am fa la ni xawa djublé négociation yi alors comme man lima gissone c'était que ñun réew mi ñu and ak ko xamni tay bu ñu démé dañuy discuter à d'égal dignité parce que ki nga xamni peut-être c'est un maire sortant peut-être dina am mbolo bu ko wër bo xamé yow bo ñëwon tay di négocier en termes de conseils municipaux peut-être li ngay am du bëri alors que quelqu'un bo xamni tay yeen ñaar yeena and nek dans l'opposition peut-être bu ngeen démé fa ngay gëna mëna fassé gëna mëna travailler donc lool man mo taxone finalement après man ak ñaneen ñi melni man ñëpp ils se sont tus je pense qu'il y a beaucoup de responsables de réew mi en 2014 gisu len len ñi ci dem fenen ñi ci dem tassaro est ce que nekku ni sen parti bi di démé comme ci kaw rek comme Idrissa Seck tay mu ñew melni suba mu melne tay mu ñew andak Macky Sall suba mu xalab Macky Sall est ce que nekku non muy dem ba ñew nek mburok sow bi ni est ce que nekku lool motax yeen tamit sen parti fofu non lay démé non parce que tamit lu fi waxul Macky Sall amul lu neen la ko fi wax wax na ko fi mbukat wax na ko fi lu nekk ñew andat ak mom Idrissa Seck a été toujours constant xam nga damay wax ni peut-être si y a quelqu'un, un incompris éternel dans le cycle politique du Sénégal, pour moi c'est Idrissa Seck. Ñun ñuko jigé ñu gis les sacrifices. Non parce que jeu yoyo politique bi muy def la motax gaay mënu ñuko combat. Jeu yoyo politique bo nga am lay def. Tay mu xass Macky Sall, so mu xass Ablaye Wade, tay mu ñew andat ak Macky Sall juste pour nek conseil économique et social arrimon lool la doon kaas. Lool la bëggoon mo nek ni. Idrissa Seck Moustadef jeu yoyo politique. Idrissa Seck damay wax ni toutes les décisions yu mu jël c'est un sacrifice pour lui-même, pour le parti. Parce que vous savez, c'est des décisions, courage, qui ont été prises. Les décisions qu'il a prises, toutes durant son parcours, comme le fit politique, il n'a pas depuis Ablaye Wade. Et quand il a fait Ablaye Wade, l'écrasante majorité de Réumi avait dit non. Et j'ai dit, les gens pensent que Réumi a une démocratie. Je vous dis, le parti qui a la plus démocratie dans le Sénégal, Réumi, c'est là-bas. Quand il est venu, les gens en parlent. Maintenant, la décision finale revient à Idrissa Seck parce que quand même, texte parti de mon commun. Burok Sow bi ni ko denc na nguy. Burok Sow bi effectivement, il a consulté des gens. Xam nga Sénégal, peut-être man je suis dans la sous-région. Amna yo xam kel ko ci émission. Je sais beaucoup de choses qui se passent au niveau de la sous-région. Mangi Mali depuis des années. Ma xam la situation au niveau du Mali. Et souvent, gis nga les crises politiques. Yu bari ci lako gaay di jaarale. Et on savait que tôt ou tard Sénégal dina ag fo xamni dina toj et que dina bax yenn leader yi am dépassement par rapport ses propres besoins par rapport à intérêt de keub man fofu la ko inscrire même si dans réumi il y a des gens qui sont dans réumi qui sont pas d'accord parce que nak parti non lay démé bo jël décision dina am ñu ci and dina am ci andul mais comme c'est quelqu'un qu'on soutient énormément parce que quand même damay wax ni en termes d'expertise ak homme d'état man gisuguma kuma jaral na baye Idrissa Seck sa ginaaw bes mako gisse rek na ko def legui coordonnateur bu rew mi bu malika bi day am touti ñakare ci nit ñi ñikoy xamne ni ñi ngi rew mi ñeen ñi xamne day leen bokk ñom parti sa am ñu xamne ni coordonnateur bi da feena xawa jaaxal parce que Magnon Lay Sen Momadou Lay Sen momu te nga xamne ni depuis 2004 mom mo nek coordonnateur bi xana mom moy continuer nek coordonnateur ba kañ wa lol mom yakar na ni problème wa rew mi la effectivement mais tam est-ce que Libas tam du daw sa responsabilité motax yow même boy suñ la bëggay jox coordonnateur bi ne la yow la nga bëgg daw responsable lan moy problème bi ñak assumer responsabilité bi lol lan la tamit non du daw responsabilité xam nga ni ni défé politique ci dëkk yu bari Malika mënno défé nonu politique ndax lan parce que ñepp ay mbokk la té politique dafa gaaw ci yak nit dafa gaaw ci yak relation dafa gaaw ci yak mbokh banen bi moy ñun ñi politique di nañ comprendre ante mais famille nek derrière duñ comprendre le jeu politique
Tay par exemple tay on est dans des discussions comme nous vraiment des instants de renouvellement du bureau. Mm-hmm. Effectivement, il y a certains qui demandent à ce que qu'on change la coordination parce que pour nous depuis 2004 jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'évolution notoire. Mm-hmm. Voilà, bu fi amé ñane ñoko def. Voilà. Donc mais lepp nañ ko def ci waxtan. Ñu jéma am un consensus. Ñu xol li nga xamné li mom moy intérêt parti bi ñun ñep ñu daal ci liguey. Je pense que lool la mais du daw responsabilité du dara. Donc tay fiñu tollu ni ñun ci ben instant ñun ci processus bi. Mm-hmm. Mais inshallah processus bi agé dañ la invité. Wow. Comme ça après inshallah ñu échange wat. Mais est-ce que c'est le c'est problème lié familial yi ngeen duggal ci politique bi. Bu ngeen dem ba ben instant ngeen xamné li politique la ngeen def politique lié familial ngeen jël ko téggé ko nalé parce que tayena politique tamit so ci nekké parce que gis nañ fi ay dem bo ak frère am ñu bokku ki ak fenen ak fenen ak fenen lool ñak ci politique est ce que do la jël ngén tek le fele ngén de politique ngén politique politique bo xamné dañ nan déni politique ngén jël lien de parenté ngén téggé ko ndalé parce que féké né téggé ni mo indi ba yeen ñi nga xamné dekk ñu malika joggé fenen ñoo fa ngén léni jappé doxan dem so léni même so léni campagne sa wal da ngén jital lool nañ ki ni la sand ki ni la sand ki dekk ci dekk bi ki est ce que lool non beud na di ngén ni campagne yeen ñi nek ci politique malika la ñu lég la wax sudul tour non jarum ci tour da ngay ñi ma wax da ngay ñi ma question non ma diw mi non dafa campagne non de ngeen koy fara di wax ce gnan ki dama dem la ki li beuri non beuri na man musso deg ma wa non beuri na wa mais man musso deg ma déjà li nga wax ni moy lien de parenté yi taxna do dem te tay gi ni sana rien a pas non sa question bi nga wax ak lolu sana rien a pas pourtant tu ci lolu damay wax ni mbok alalu yalla la nit du tan fu muy juddo nit man nga tan ki ngay andal mais yalla mom mo lay tanal ci ngay bok wa yalla bu tamé nga bok ak ay nit damay japp lool mo jittal mo sacré politique bi ya mako wax fi légui da ngay and ak nit tay suba mu jaar né nga jaar né da gana lool nak wurtu tax nit yak ay lien familial man loola japp man na djum mais dama japp ni dekkandou wala mbok lien de parenté forno for go xamni mom wurtu yak politique au contraire bu démé ba na yak politique nan dag politique gi politique bu na yak mbok ni dag politique gi parce que tay moy li ma lay wax bo xolé processus du gudd yeb waxtan la pour ñom au consensus aller vers l'essentiel kon nangul len goro ña tay gi lim dem rejoindre tala gadja ko tek ko ci lien familial kon nangul len ko lolo nangul len ko lolo kon bu lay wax dafa waaw xam nga ñaari bokul ñun da nek ci ben parti on parle de coordination bokul ñun on parle actuellement de quelqu'un bo xam day laaj dekk bi yor ko bëgg la jaat dekk bi man Libas ma taxaw depuis 2009 ni lim yoré dekk bi baxul lim yoré dekk bi baxul lim yoré dekk bi baxul nek candidat nekat candidat xam nga lolu amna lu mu tuddu ça veut dire que ki yow nangu nga lim yoré dekk bi baxul wa man nak buma campagne ni nan fi jele diw pendant 15 ans tay ma ñew ni ah diw mi mo bax mais kuma ñi mo deug ma ragal mais lien de parenté la tek lien de parenté la tek bo xamne mo dox sen digënde ñom ñaar ba ba tala gadjaga wax nako ba yaayu ki li docteur li la ko wax mom moko wax tala gadjaga moko wax ci suñu chaîne lolu ay door la lolu mom ay door la ku nek nak yaay xamne nga tay sa bop ji nak mais comme ma koy wax population malika mom sa way yakana ni sin population jamono bi ñu tollu ni bu xej ay beutam ni xaj di xol Libas ni di wax tay limi wax bu dul deug ñi may sétane nañ xamne ki waxul deug donc ku fi genn ci télé bi wax say wax pour lendeumal ay nit xam nañ du deug donc parce que bu dé bok ma gëna bok ak Tala wax nga ko légui Tala ma gëna bok ak mom ci ñaari côté yépp nak ci côté nday ci côté bay donc bu doon lien de parenté day tax nga top ci ginaaw leader kon man ma ngi ci ginaaw Tala mais nak dañuy wax une gestion de notre commune xam nga gestion de notre commune bokul ki nga bokal parti ngeen meuna waxtaan pour am consensus pour kenn jitu ki se top ci ginaaw c'est différent bu nu jëlé man Malika denk mako pendant pratiquement 20 ans man ma ñi nekkon ci lañ yépp ni man ki wax dëgg yalla doyna la dem ba récemment manam doyna na dem ba Macky Sall ni Tala la jital nga daw rangé wu bon duma qualifier parce que ñi nga tudd ñep mom la fi wax légui ko fi xass sa bop nga xass waaw
mais qualifié ñom ñi dem ñom qualifié le mam gorigna qualifié ko sunu keur la juddo wa mais qualifié mam gorigna mais je veux dire que ils ont trahi la conscience et la confiance bilen yenn malike yi jogol top sen ginaaw nangou woné lien de parenté bi dalaga jega mo mo dem parce que bu do lien de parenté degu man la bu do lien de parenté amna ñu nekk ci taal Ablaye Seye leni andal bu do lien de parenté man ni ak Ablaye Seye taala leni andal coalition idi du lien de parenté coalition lanen la mais du lien de parenté OK coalition idi 2019 bi ngeen bokone élection présidentielle kan ngeen jappale won bi malika ban ki ngeen demé yeen ngi démé won fan ñoo démon ci coalition idi 2019 man j'étais le coordinateur de la coalition d'ailleurs coalition bobu ñun ñu def ben pré-campagne bu extraordinaire malika je me souviens de 2007 jusqu'en 2014 élection yi fi mujju yeb réew mi musul wona passer les 2000 voix on était entre 1700 et 2000 voix donc bima ñëwé effectivement moy problème de coordination yi ngay wax gaay tejj parce que da ngay nek nit tejj lepp do liggéey te kenn du liggéey man ci la guéné comme je suis aussi membre du bureau des cadres du département de Pikine bobu département de Pikine la et aussi membre des cadres de réew mi au niveau national nous initier ce qu'on appelle des cellules de quartier demander aux cadres parce que xam nga cadre souvent day nek ci kaw rek costume cravate descend pas à la base mais ñun du sunu genre ñun on est tout le temps à la base d'ailleurs base bi lañ joggé sax pour être des cadres parce que bima militaire réew mi je venais juste de soutenir mon déya donc après il y a la thèse et tout ça ñu wacc ci base bi ni di wax né donc ma défar ñu défar balma ñu défar ay cellules de quartier vraiment def une massification extraordinaire et je vois que ko waxal yalla entre 2018 et 2019 les gens ont vu réew mi mo am banen facette ça ne c'est un travail qu'on avait abattu et ça nous a valu lors des élections de 2019 réew mi et a quitté les 1700 voix pour arriver à 4111 voix donc bo jilé tout beaucoup bokk écar réew mi ils ont pratiquement doublé le score de réew mi ça dit que ñom bu ñu tassone ñu sé doli ñu am réew mo leen di jitu donc ça c'est un travail qui est là qu'on a abattu et vraiment certes j'étais le tête de file la tête de file du moins mais quand même ça dama koy nangul tout les autres responsables nga xamni ba jog joté jogon nan japp ci ligéy bi ñu ñëw ci ki bes élection locale yi nga xamné ci lañ jëm nga xamné ni ci nit ñi ci loolu lañ lay xaré ñu gis né 2009 dañ la waxon nga dem and ak Ablaye Seye ngeen bañ né yeen seen yëf bop ngeen dem ba dem am quatre conseillers est-ce que jamono bobu bi ngeen doon xex taala gajaga tay gi ñu ñëw ci 2021 bi élection local yi wara dem 2022 ñu gis nga dem xex taala wala Ablaye Seye non xex Ablaye Seye parce que xex bi moy japp nga ne bo jamono joju so len ko jappalo won mu non la nek maire non Ablaye Seye ñoko jëk politique waaw non mais xam nga ne jamono joju so len demone mu non la nek maire je veux dire en tant que Ablaye Seye yag na militer voilà yag na militer au niveau du parti socialiste après dem na ci effectivement sous la bannière de Res les verts mais nak moment bobu ñuy wax ñun on était beaucoup plus présent 2009 waxuma 2009 je parlais 2014 2009 nous on était beaucoup plus présent qu'Ablaye Seye sur le terrain politique maintenant 2014 quand même mom entre-temps vraiment il a beaucoup travaillé et que ñen ci ñun effectivement suggéré won nan que entre-temps lan mo changer ba yow mi nga xamné ya jëlone fele 4e ñew jappalé ko té yow gidou la ci sa position gidou la wa ci 2019 gidou la won taxaw lan moy problème bi entre-temps lan mo xé wa 2009 entre 2017 2018 2019 le travail que réew mi a abattu surtout man ak ñima nga don andal parce que j'avais beaucoup de responsables yo xamné ils étaient derrière moi ñew jappalé nous pour réew mi taxaw mais l'objectif bi mo don objectif bi mo don ñu préparer les élections locales de 2020 à l'époque après ñu pousse ko 2020 bon biñu ñëw fi la conférence des leaders fi la réunion sama kër ñu bari ni ma ñi c'est les autres partis politiques yi xam ñom la andalon parce qu'on était avec les khalifis on était aussi avec gem sa bop on avait je pense malik gakou grand parti donc ñom dañ ni ma won naturellement tu es le leader naturel de la coalition voilà. donc on les prépare pour les élections locales de 2020 mais digënté 2020 ñi koy pousse diko pousse voilà. entre temps le devoir man manam sama liguey yobunama à l'international voilà. ma baye von aussi des responsables pour l'entretien de la base parce que quand même politique du rek ne ko fi rek dara wartu dox parce que boko defé sax mais doxo luñ ko nang ko fu geewon c'est ça donc comme nak l'étarchie bobu amna effectivement biñu élection yi djubsi
Ce qu'on a fait, moi, il est devenu devenant quoi. C'est-à-dire qu'on a écrit au parti. Ma défense, ma déclaration personnelle, ni man, je veux briguer la mairie de Malika. Parce qu'on a d'abord beaucoup de partis politiques. Mais moi, aussi, il y a des mouvements qui me bordent, au-delà du parti, parce que quand même, élection locale, moi, qu'on a cité Gulgui là. C'est-à-dire que man, maintenant, Gembu, Malika, am y a des Gembu, madame, ça ça n'a rien à voir avec le parti. Mais andak sa parti gëna rafet donc ñu gën lu tax andolé nak sen parti dem ci mburok so bi non lu tax nangu walu yaakaar bi ñu bind suñu parti ni ko doon bëgg nek candidat bi ñëw fi aussi le bureau la coordination des réunions de Malika tu nangul ñuko jappelé ñu ci mobile campagne bi de marketing et autres yalla dogal aussi ñun réwmi malheureusement musta participer des activités de Boko Yakar. Depuis que le Mburok Sow a existé, Réumi Moustadem beaucoup une activité de Boko Yakar. Parce que tout simplement, on attendait des directives qui nous. Directives quand Idrissa Seck voilà quand. Non, le secrétaire national. Parce que le secrétaire national. Mais Mburok Sow bi amna ba paré kay jarutou ngén xa ben directive yo tamit nak. Mburok Sow amna ba paré. Waaw, kon la ban directive ngén xa. Non, xam nga tay par exemple tay directive yi. Waaw. Bu jogewul ci kaw yow yo do xam sur qui peut danser. Pourquoi? Xam nga Malika dafa am la coalition ben Boko Yakar. Mu am Tall Gadiaga. Tall Gadiaga n'a jamais participer d'après ce qu'on nous a dit qui a eu activité Benno Boko Yakar. Voilà. Et ñen ci ñun diganta la ça du c'est pas un secret amna ño xamné ci ñun depuis 2014 ñu ngi cheminer ak Tall. Donc bi ne dañuy dem ci Benno Boko Yakar certains ont dit mais est-ce que bu demé fait on a fait le bon choix. C'est-à-dire pas bon choix par rapport à des privilèges ou dara mais par rapport mais est-ce que du lolo non mais est-ce que du lolo tamit parce que du lolo ñuy sam c'est ni privilège ñuy am fofu par rapport en tout cas je sais par rapport aux générations du parti mais ce qu'on va faire c'est très simple écrivons au parti ñu décrire la situation spécifique bi am Malika la ñen quelle doit être ñun suñu nan la wara mëna taxawé sen position est-ce que dañuy dem ci liñ tuddé coalition ben Boko Yakar. Est-ce que day dem waxtan ak Tall etc etc donc lolu ci ki bobu len newon entre temps nak les élections locales sont arrivées bimu ñëwé nak après binu tassé man lañ defoon tête de liste pour mané que sen candidat lu tax ngeen situation bi posé wu on a discuté et la raison je pense elle est très simple waxna ko sama jël ben wax man dafa am lo xamné politique duma ko jaral politique parce que Libas va rester Libas après la politique mais sandi le nga dem ñu jox la proportionnel li nga dem est-ce que lo nekul rek da nga bëgg nek conseil municipal bo bëgg nek conseil municipal bu tax demo comme ni yeneen ñom Saliou Diouf ak ñeneen li ñu dem nga len da ngay dem majoritaire ngay dem ñu koy laaj waaw en fait dang koy laaj lutax nga parce que du man may ñew ni jox len ma mais waxtan amone na non je veux dire du man ma ñew ni jox leen ma la tedd li parce que xulo amone na fa tidiane ba tiy ak Saliou Diouf ku nek na may def ni may nek li may nek li lolu amone na fa yow est ce que da nga ñew ni Diouf bu le professionnel nga wa wala lolu yam ko wa lolu information la man ma la ko jox lolu yam ko jang wa man ma la ko jox je sais fi may wax yi yalla ma tim li may wax ni c'est la première fois ma dekk ko man dal je suis venu en tant que leader affirmé nak wa leader affirmé ñew ma xol la situation parce que damay wax ni nit ki do jog rek damay and diw sama do Ablaye Seye c'est pas pour ses beaux yeux que ñu dem duma wax ñu dem en alliance duma wax ni c'est pas pour ses beaux yeux bonne maire bi 20 ans de fitok deful dara pour man li nga wara jëk def moy nga jangat la situation politique nga xol parce que lu mën ti doon maire bi yag na fi donc bu den garab la dañuy wax ni ay renam sampuna bu baax ci dekk bi deug la wal deug koku nak du tass doole yi moko fi jele au contraire bu tassé doole yi moy jarul ñi campagne nan ko fi tagat parce que nak ak lu mënti doon mom amna ben représentatif bu am ci dëkk bi man j'ai analysé la situation ma gis mbeur yi nga xamné gis na len fi Ablaye Seye la fi gis mbeur mo xamné japp na ni bu ma jele li ma am doliko jogu so moy fi non bobu jogu du candidat wala jogu aussi man c'est la musuma ko gis donc on a jamais échangé mais Ablaye Seye je l'ai suivi ñu andando depuis 2009 ma gis ko sur le terrain buma jaaré ni mu jaar ni ma gis ni c'est quelqu'un quand même qui a du mérite banen bi ma gis ci mom ay compétences managériales té nak mairie dafa laaj
nit ko am ay capacité de management ma gis ci mom capacité de management management c'est important mais ma gis timit mu nek un bon gestionnaire bu nek école bi du ndax école bi ci lepp parce que quand même Malika mom comme nima ko waxe lu ndaw la on se connaît tous manam man luma xey yakar ni ñi ci dess yegunu ko ma ngi nax sama bop donc mais ñu xol ci promotionnel bi la yobu nga nax ma xol qualité yépp je suis venu lui dire écoute Ablaye ils ñep ñoo bokk Malika on veut un changement et moi j'ai confiance à tes capacités de management ben amna des mouvements de la société civile plus des moi parti qui m'ont demandé d'aller seul nga bëru mais pour man bëru ñu connaît bëru dëkk bi taxu ñu jox parce que damay wax ni bu fekke ñun ñepp dëkk bi ñu taxu jox war ñu mëna connaît nga terre say ambition mais ñewul ma ci lutax nga dem promotion ma ñew dina ci ñew pour demal sa bop na ku nek bayyi ñu sét kenn ñu ngemb ko and ak mom parce que l'objectif damay wax ni tay je vais le dire ici l'objectif des élections locales 2019 ce n'est pas d'être maire ce n'est pas d'être conseiller c'est de changer l'équipe municipale c'est d'apporter un changement radical au niveau de la tête de notre maire légui lutax nga dem proportionnel proportionnel Ablaye mo xam mom mo lako propose ko jogoko won non je veux dire liste proportionnelle ñom après ils m'ont informé qu'ils m'ont mis en tête de liste proportionnelle pour deux raisons la première c'est la représentative de Réumi bo jëlé tay la coalition à part la PR est ce que gis nga fa benen parti bu am doole comme Réumi un parti qui est venu deuxième fi Malika en deuxième position et sur le chèque du territoire national mu jël deuxième donc il y a ça deuxième il y a l'image il y a l'image parce que quand même nit ki aussi bokoy boy jaay sa produit dang koy emballer emballage bo xamné ko gis ñimé ko et sey connaissé que Malika wax deug yalla fi len juddo fi len yaro mais def musunu fi def lu ñuy xébé et peut-être il pense ou bien c'est une faveur ou bien c'est un avantage pour coalition bi ku xol gis Ablaye sey xol gis Libas ci kaw donc muni donc coalition bi ñi menaleen et je pense que man non la analyser la situation qu'ils m'ont proposé mais je t'ai dit tout à l'heure si je voulais être conseiller kay 2009 bo xam situation dafa changer 2009 ak 2020 mais est-ce que ñi nga and est-ce que tay gi ñi nga and sen boy li dat boy goor ñaay du len dal ñew tay gi ni mu baña am ben boyam rong lañ yobbu suppléant est-ce que li dal yoy di dal goor ñaar dalul yow sa boy ci sen liste ci liste Ablaye Sey bi lo je jure dañuy ñew tout rek fi nga xamne émission bi li ci mu ngi le mu je duñu wax te duñu wax ci bilan bi nga xamne ni tala gajaga yeenay wax tala gajaga dégage tay gi ni ku wax la gajaga wax bilan bi nga xamné ni tay gi ni mu ngi def ben ki ak Dembaka mu ko jappalé ci lu beur lo xamné mu ko fi def tay gi ni ñak wax bilan tala gajaga soxor la koy tuddé wala lan la ndax yeen nga fi gis marché bi yeen fi gis stade bi yeen fi lenen mu no len baña wax bilan bi même su fekké dayna 20 ans bi li la bilan tala gajaga suma la ko don laaj tay yow lan nga mo ci mëna wax ma j'ai jamais dit tala dégage parce que Kala c'est un grand c'est un parent et dégage sen affiche nak li ngay def tal dégage lo pour lan la kon do len ko jema dindé mu nek respect ak mo def affiche tal beuri na ño xamé ni tay gi ni mu na la ko wat mais d'accord mais du Libas ça dit que ku nek aussi ak ni nga non mais ci alliance bi bok ce tour bu ni mu ci alliance bi Libas ak ni mu mel et j'assume waaw gis nga mais ce tour mu ci alliance bi Libas légui mu no ci guéné sa bop Libas lu mu def waaw wala lu mu wax wala lo xamné ban koy def Libas dafa tew joxe accord de principe am da koy assumer mais kon do le wax dindi tala dégage bi je veux dire tala bilan rek la bëgg wax mo dafa doy basso 20 ans de magistrature 20 ans je veux dire mom jambar la 20 ans de course après tu demandes 5 ans supplémentaires mais dama and est-ce que sama grand bi werna non dafa doyelo go dafa wara doli wa Malika ndax bilan bi lim ci gis dafa wara améliorer ça veut dire que bu doyelo rek dafa febar parce que quand même man munuma nek ci deuk yakar ni man rek buma fi nekul du dox alors que man ma formé des jeunes et quand je tourne derrière je vois des jeunes capables de gérer mieux la commune que moi len le day niru soxor olof ndjay nak neena ku iñane sa don sa dewi ñaw taala Malika waccona ak taala wëral Sénégal c'est rare nga gis un maire bu demander 3 fois les suffrages de leur commune population bi jox ko mais neena wa Malika ñoo ne taala doli xaar rek donc taalam ci bopam Malika waccona ak taala ñaari mandat yi da doon wax ñettel bi
bi buñ mako joxé doyna c'est ce qu'il disait donc bi muni nan ma joxat 4e dina doy donc Malick wax deug yalla il est temps sunu grand la sunu parent la vraiment on a beaucoup de respect pour lui mais mom wax deug yalla la dem tok bay vraiment les jeunes ñew parce que damay wax ni regarde on sait ñun ñep xamna ni une génération c'est 10 ans non kon ta la ñaar génération la ray de leadership politique de compétence ñaata il a tué deux générations wara rayat benen génération encore buñ ko joxati donc alors que Malick li fi nek ci ay ressources ay compétences c'est extraordinaire mais lolu da ko na ray donc moi c'est pourquoi je demande à la population et je sais que la population maintenant conscience bo mom ñin ñi am nañ ko duggal dekk bi rek nga def un sondage ñin ñi doyal nañ les gens disaient que nak doyal nañ ci tala mais gisunu alternative mais tay man ak Ablaye Sey offre nañ à Malick alternative alternative moy bo gesto gis Libas Mbaye gesto gis Ablaye Sey xam nga ni ce duo là ku len jox dekk bi ñu teyé ko ci ngor ci fulle ci fayda ak valeur yi nga xamni ñoo sancc dekk bi valeur yi lañ ko sancc vraiment c'est l'appel banen bi moy wax deug yalla bo né bilan taala pour man rusluna nga tuddu Dembaka ah lutax tu sais Dembaka dafa ñew xamna ni vous suivez les informations même si dama don baganté entre le Mali et ici mais j'ai créé énormément de choses il faut beaucoup d'investigations sur le truc Dembaka regarde moi on dit un décret présidentiel moko jox 9 hectares mais ñun ñep xam nañ ni Macky Sall dula jox décret présidentiel donte c'est vrai alors que c'est un décret qui n'a jamais été publié au journal officiel en tout cas ñun toutes les investigations yi ñu def gisoleen ko c'est toute l'année xana nak bo jëlé de janvier à décembre xana na ci nek fenn alors que nous a donné même période bi nga xamné ci la génné mais gisunu ko fenn ci journal officiel supposons je passe Macky Sall du ñeu mëk ni ko fi la la dagal même bu la joxé un décret limu ñëwé ñun ñu gis ñun dañ ko octroyer 9 hectares sur le littoral jëlé ma 9 hectares tu prends 1 hectare 40 terrains buñ ko lotissier en 150 mètres carrés yow xam nga ni terrain ñu ngi koy jaay ñaar instant bi 15 millions fele mo gën jëlé fele 20 millions tu multiplies 4 40 par 9 de 360 parcelles multiplier 360 parcelles par 20 000 par 20 millions ça te revient à presque 8 milliards quelqu'un gu ñew sa dëkk nga yëkëti 8 milliards yo xamni wa Malick ñoko mom nga ñu ko jëlal mu ñew défaral la lo xamni mëto 500 millions après non mais pareil ci défaral deglu ma rek ma laaj après yow nga mëna oser ñew ci dëkk bi ni len amna bilan parce que Dembaka def na li Dembaka def li dem lay basu man bu don man ci ron rek lay dugg parce que nak ñun ñep dañuy and ndawle Malick mérite mieux que ça 9 hectares nga jox ko ci littoral bi tay jëlal la baril du pétrole ça varie entre 30 dollars 25 dollars agul 40 dollars jëlal 1 mètre carré sur littoral bi des fois c'est deux fois plus valeureux que le prix du baril du pétrole tu vois le pétrole pays yu bari mom la utiliser pour développer sen rew Malick tay dafa bok ci commune Dakar yi nga xamni dafa déssé foncier donc bu nu gisé kenn ku koy bazarder ndax terrain bo xam tala la tapi yow dem nga fa amul tribune amul dara manam yenn commodité yi wara am stade pour même pelouse bi meuna yag amu fa mais c'est une pelouse bo xam ni mo tam muy laaj benen mandat pour meuna yegal lolu yeb tamit kon musibam kon buñ ko joxate yenen 9 hectares musibam dem après lolu ni defar ñaari 12 ci marché bi defal lu ben hangar ci marché bi lolu moy réalisation mais écoutons soyez sérieux un maire dafa am une responsabilité vis-à-vis de sa communauté gis nga boudé un maire amna incapacité trouver des moyens d'investissement pour sa communauté dafa wara lem ay bagasam len nak man ma len lajone mais xamna ni munuma banen bi nous savons tous que actuellement le partenariat c'est quelque chose qui fait développer beaucoup de localités qu'est-ce qu'on a fait ce partenariat Dembaka je n'ai rien contre Dembaka je le dis ici je n'ai rien contre Dembaka c'est un champion du Sénégal te champion la bo xamne on doit le protéger mais nak do protéger champion ba lor sa askan ah je me dis que tay bo duggé Malick sun keur yu magi yep dañ fa fek une dizaine de jeunes bu ni teud ni day teud ci kaw ni teud souf et ça le maire actuel le sait parce que suñu rak lan suñu dom lan mais ça mais dina ci créer ça en place de bi on est sa crainte moy fexé ñooñu ku ci nek am fo dekk dedet sa crainte moy xëc un Dembaka bo xamne il est déjà milliardaire jox ba sun 9 hectares
wagneeku joxat ko fi sunu 5000 mètres carrés te bu suba mu laaj lanen et je dis que c'est ça le danger mais président moko jox dafa jël boum takko ko ci batam donc président moko jox mais président moko jox président moko jox dembaka moko jox dembaka président mo jox sé dembaka wala ñun ñoko jox dembaka non fofu xawmu mais 9 hectares président moko jox président moko jox kan pas décret non lolu la wax dama la décret yow est-ce que yow gis nañu publier ko journal officiel non pas boudé am nga ko baxé mako non non et yow xam nga la loi dit que tout décret non publié au journal officiel n'est pas officiel voilà libas dañu ñëw fofu rek ci mbirum dembaka xamna suñu jiyata bi day gëna gudd ci 37 hectares yow yi ngay dégg malika am nga lo ci xam 37 hectares lu bari 37 hectares mom yakarna ni aussi bokku nañ ci jëk juk don xex def alerte mais xam nga suñu dëkk bi liko yak moy ko wax da nan opposant la don xol njariñ bi ngay wax et je l'ai dit tout à l'heure xalé bo xamni jang na wër aduna am 50 ans du xalé do wona xam nañ lu bari décret bi mu ñëwé mu nek 37 hectares ñun jëk na no yu xone 37 hectares plus de 7 hectares ay nit jaay nañ ko ci lu xunjur sur le dos des populations de Malika. Malheureusement, gis nañ li am maire bi jëm na leena couvrir pour duggal leen ci biir. Non limu wone ni ñan la du ñom biran sila parce que biran sila mom nga ay problème yo xamné ni musique mo lim kenn man né walu bi duma tuddu wa mais nak li bass na affaire bi li talaga ji dafa dang koy dut baram soko ñëmé kenn moy responsable kenn moy yow tay boma denkon sa alal ma tok jakarok alal ji kenn ñew jël alal ji dem bo ñew koy responsable yow man nga parce que man nga denk xam nga lutax may wax ci tala c'est pas la tala en tant que personne waxna ko fi c'est quelque que je reste énormément mais dañ ko denk sunu alal 37 hectares ñun ñep wax nañ ni ko tala gaay ñu ngi jaay terrain yi ta bobu filawo bi gis nga do sorry man ma andi nit koy jënd ñu tek carte bi ci bir filawo ñu may jaay tak ñi koy jaay ñu ngi sétal émission bi xam nañ ma xamal lu ma wax après xam na xam terrain dañ ci wara am man len man budé ni len ci amé jomuna lolu parce que ma mag lolu rusna lolu malika man mënuma dëkk malika magge fi yaro fi ñu ni samay mam ñett mag ni ko jikko sañ ci ñaar ñepp samay mam la ci sama walu nday ak sama walu bay kon man duma jaay malika man len budé ni lan ci amé man soxlawuma mais on a alerté le maire bañ ñu deglu je pense que tay la situation est là ça bo xey deg teus deg khalas ñu xam ñu ngi ñax tuté ñi ñew jënd seen alal ndaysan ko xamni gor gor la dajale ba am 4 millions 5 millions ñew duggal ko ci tay ndaysan mu ngi daw gu deg beuk damay wax ni jamono bi ku fi jënd bu xaro c'est la responsabilité du maire parce que nak sénégal metti na metti go xamni bu gor 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 lo ba am 2 millions ñew jënd ko téré mënu ci jot bu déwé rek yow ya ko ray té nak 37 hectares mom nebula la bo xamni malheureusement peut-être du xat ci émission bi peut-être bu amé yenen jotay dinañ ci parce temps bi mom moñu xoj dafa am ñu né ma libas demul ci réew mi par conviction madame motax mu dem fa subhanallah parce que madame mo am lien de parenté ak idi mom mu dem fa ndax ne mais do mais mom lajal momo lay sen xam nga conviction yang koy natti ci nit ki lan la ko jaral je dis ma voix damay wax yeket sama loxo ci kaw rew mi malika fi ñep je les défi gisuma ko ci investir plus que moi non lolu mom leer na mom donc quelqu'un bo xamné investissement bi jaral na lako jaral na lako te des fois do ci dégg toujours la neex comme nga wax waaw certain lolu mom leer na mom c'est investissement ci rew mi mom lolu mom leer na ñep certain de ma famille mo tout le temps demander nga baye ñi ngay sonal di ci ki te duñ wax ci yow lu baax taxawal conviction moma ci baye xam nga lan la dama gis un leader bo xamné dama gis ci mom des qualités mu woor ni ma bu jëlé rew mi man sama naqari na jeex sama naqar moy samay doom moy samay seut ce n'est même pas moi même yow xam nga ni ko am juroom fi kat mom yaa ngi ci pante bi te yalla nak sutural nañu parce que wax deug yalla joyu lu dara donc bi jang joté jang nan yalla sutural lu biñu génné tamit yalla tek suñu loxo lo xamni man lañ ci yor suñu jabot kon dawunu dara donc cette conviction là mais effectivement politique mom comme ñu koy wax ku amul baat ginaaw rek watal ni demo fenn donc kuy avancer faaw nga am baat ginaaw benen bi aussi on est très respecté au niveau du sommet du parti et dama koy wax toujours wa malika yi man len politique baxna trop xexal nit mais baxna nit koko bu falo nga jige ko jige go xamni malika na ci bénéficier wu ñu notre bataille du pour son personne c'est pour malika et c'est pour notre communauté lool dal mo na ci baye ñuy xex bu deg beuk di ci ñak lu nek parce que tak ñu politique ñoo ci def mais politique deful ci ñoo ce mot de la fin di bas a politique sama mot de la fin mom ginaaw bima len gëreme sante len ci dalal bi ngeen ma dalal
di djeglu wat encore une fois parce que ñun ay talibé lañ di wax astaghfirullah rek di djeglu ko xamni amana wax ji ertene la wala wax nan ci lula metti ñu koy djeglu du won sunu objectif rek c'était échanger ci question yi nga xamni c'est les questions de l'heure pour malika dal vraiment am nan ci bëgg bo xamni bëgg nan malika émerger malika dem ci kanam malika raw commune yépp té nak gis na un leader bo xamni buñ bolé ay qualité ak qualité yenen leader yi nek ci ginnawam je pense que man nañ yob malika fanen c'est pourquoi je t'en la mets à ma ngi talal loxo population malika bi yépp dégg na ko fi légui man duma wax doxandem sama wayjur bi may tabaxlo fi daf ma woni ma outal kër man ma tangamlu ay at ma ñëwaat mon ma tabaxal kër mon ma ben jour ma ñëw est ce que xam nga ni dëkk bi doxandem nga fi sama wayjur mu may dégg est ce que nga xam nga ni dëkk bi doxandem nga fi bon ma j'avais une autre définition doxandem moy ma ki fi ñëw demb tabax kër ba dëkk fi ko fi la dëkk yow mi fi sa mam señ ci dëkk bi amo fi kër yaay doxandem donc c'est ça lay wax malika ñun ñëpp ben lañu dëkk bi yalla barkel nako vraiment ku ñew dëkk fi ben goor do do malika nexna dundé nexna dé ci bo waccé sa bop and ak ñëpp malika gisoo un malika bu boddi kenn donc vraiment lool lay wax banen bi moy ñu ngi jëm ci élection et échéance amna xëccu mais na rafet parce que nak élection day jall dëkkando bi dess mbokk gi dess té sun borom néna dëkkando yonenti bi neena yalla daf ko daan sambul bam yaakar ni bu génné aduna dekkando mi dang koy don té ñun ñëpp ay dekkando lañ di ñaan lepp rafet mais nak quand même di talal loxo askan bi ñu jappalé liste bi ni wax gox yu bess té Ablaye Seye jité liste majoritaire Libas Gadiaga jité liste proportionnelle inshallah au soir du 23 janvier 2022 à ñu jël sunu grand frère inshallah jëndel ko cadeau bu baax fekk ko kërëm remercier ko durant ces 20 ans de gestion et puis nak dali tek malika nak sud de nouvelle ray dali développer merci Libas tay ñu amone mbekté don dalal tay Libas Gadiaga mu nek docteur biologiste waxtan bi amone jëriñ trop ñu leni jox rendez-vous ci suñu benen émission entretien